Salut à toutes, salut à tous, on est en direct, je vous souhaite la bienvenue, nous sommes le jeudi 21 mars 2024 et on est ensemble pour le Midi 10, l'émission. D'actu, à mi-journée des Girondins de Bordeaux. Je salue tous les sociaux, celles et ceux qui sont présents sur le chat et même ceux qui, qui nous regardent en replay parce que c'est beaucoup euh, regardé en replay. N'hésitez pas euh, à vous abonner au réseau de Web Girondins, euh, que ce soit YouTube, la chaîne YouTube. Vous savez qu'on a un petit objectif c'était d'atteindre les 13 000 abonnés avant la fin de la saison. On est bien parti pour l'instant. Mais, euh, mais nous n'y sommes pas encore. Donc abonnez-vous, euh, abonnez abonnez-vous, abonnez-vous, voilà, tout simplement. Et devenez sociaux. Ceci étant dit, on va dérouler tout de suite l'actualité euh, des Girondins qui est plutôt chargée pour une trêve internationale hein, entre euh, l'avenir euh, du club financier et l'intégration d'un investisseur au capital. On va en parler, on parlera euh, de la sortie de Lisa Razou, euh, du dossier Kouchi Benabou avec les informations parues hier soir dans le Sud-Ouest. On parlera du salaire des joueurs et on va commencer par ça dans un instant puisque euh, l'équipe dans son euh, traditionnel dossier, sur les salaires des joueurs de la Ligue 1 et la Ligue 2 a, a dévoilé le top 10 des salaires des Girondins de Bordeaux. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je vous laisse le temps de, de vous connecter. Voilà, vous êtes déjà plus d'une centaine. Pensez à, à, à faire un petit like si vous êtes sur YouTube, vous savez que ça nous aide. Salut Gilles de La Réunion, Michael. Écoute, ça va bien, Michael. Je te remercie. Salut Serge, salut euh, Gérald, Nico, Noël, Sylvie, Ben, Zaidi. Salut Zaidi, salut GG, salut Metal, t'as tout. Qui nous regardent depuis Twitch. Je salue aussi ceux qui nous regardent sur Twitch. Salut à vous. Salut Maxime. Salut Thomas. Allez, euh, j'ai vu que vous aviez euh, bien aimé cette émission. Donc là, j'ai le temps de la faire. Donc c'est pour ça euh, que je la fais aujourd'hui encore. Ça sera la troisième de cette semaine. Et euh, peut-être qu'il y en aura aussi la, la semaine prochaine. On verra. Ça dépend de l'actualité et aussi de mes disponibilités. Salut Thomas qui nous dit bravo pour cette émission. Eh bien écoute, c'est super. Merci à toi. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. Ça fait déjà euh, plus de deux minutes que, que je suis en direct. On regarde tout de suite les salaires des joueurs, des millionnaires en Ligue 2 à Bordeaux. Et oui, euh, vous vous souvenez que combien de fois je vous ai répété cette année, euh, notamment que les, les joueurs des Girondins avaient des salaires, pour la plupart, hein, pas tous, hein, mais de niveau Ligue 1. Et pour moi, c'était... Euh, Quelque chose d'un peu euh, impensable dans la mesure où euh, c'était n'était pas adapté au statut du club déjà, parce qu'on euh, est un club de Ligue 2, la deuxième année de Ligue 2, on n'est pas un club de Ligue 1. Euh, c'était n'était pas adapté en plus aux au revenus du club, hein, parce qu'on sait qu'on est un club structurellement déficitaire et on va en parler après dans, dans la deuxième partie. Sud-Ouest a quand même annoncé 30 millions d'euros de, de déficit. Euh, sur la, la fin de la, sur la fin de la saison, qu'il qui faudra combler. Et euh, ensuite, parce que si tu donnes déjà un statut salarial à des joueurs, un statut Ligue 1, alors que ce sont des joueurs de Ligue 2, parce que je crois que dans le groupe, à part ceux qui ont connu la descente de Ligue 1 en Ligue 2, comme Ignatenko, Elis, euh, et à part Enzimba qui a connu la Ligue 1 tous les autres n'ont pas connu la Ligue 1 donc euh, ils ont connu que, que la deuxième division donc ça m'apparaissait anormal euh, de donner des, des salaires aussi élevés à, à des joueurs surtout un salaire qui n'est pas euh, en, en rapport avec leur niveau donc euh, donc voilà donc l'équipe euh, Dévoile les salaires, et donc pas de surprise en ce qui me concerne sur les salaires, et, et pour vous non plus, certainement. Et on s'aperçoit que le, le plus gros salaire de, du vestiaire bordelais, c'est Danilo Ignatenko, avec 80 000 euros bruts mensuels. C'est une estimation hein, de, de l'équipe. 80 000 euros bruts mensuels. J'ai regardé, si on fait jusqu'à la fin de son contrat, puisqu'il reste encore deux ans et demi de contrat à Danilo Ignatenko, ça fait 2,8 millions d'euros lycée Voilà. Il est arrivé, je vous rappelle. En janvier 2022, donc il a connu six mois de Ligue 1 avant de, de faire une deuxième année de Ligue 2, donc 2,8 millions d'euros. C'est un contrat presque à, 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 à 3 millions, à 3 millions d'euros qu'il a eu. Hein. C'est incroyable. Ensuite, on a Elis, 67 000 euros euh, brut mensuel. Euh, voilà, donc ça c'est énorme aussi. Alors lui il revenait de Ligue 1, donc euh, mais bon, quand on a levé. Quand même son option d'achat, on était rétrogradé en Ligue 2. Hein, quand Bordeaux a levé son option d'achat, il l'a payé, euh, je rappelle, 4 millions d'euros, au moins, le transfert d'Hélice. Ensuite, on a Johan Barbet, qui est top 3, 65 000 euros brut mensuel. C'est pareil, si vous faites 65 000 euros brut mensuel x 12, x le nombre d'années de contrat, ben, ça dépasse le million, largement. Ensuite, Weisbeck, qui est un joueur prêté, qui est top 4 des salaires du club selon l'équipe, avec un salaire mensuel brut de 60 000 euros. Euh, donc c'est énorme ensuite on a Diaz 55 000 euros brut mensuel est-ce qu'il gagnait autant euh, en Espagne en, en division 2 mon petit doigt me dit que non ça sera confirmé mais je pense pas donc euh, voilà ensuite Vipotnik 50 000 euros brut mensuel je pense qu'il gagnait pas ce salaire en Slovénie il a dû au moins doubler voire, il a au moins minimum doubler son salaire hein. euh, alors c'est vrai il était meilleur buteur du championnat Néanmoins, quand vous multipliez ça par le nombre d'années restantes, mois et années restantes, on dépasse largement les millions d'euros, plusieurs millions d'euros. Euh, Ensimba, 40 000 euros brut mensuel. Livolan, 35 000 euros brut mensuel. Euh, Michelin, 35 000 euros brut mensuel, qui a un contrat jusqu'en 2026. C'est pareil, ça dépasse le million d'euros en brut. Sa rémunération euh, lycée et son contrat. Et David Ajvili, 30 000 euros brut mensuel. On remarque que dans ce top 10, il n'y a pas de joueur issus de la formation des Girondins de Bordeaux. À l'exception, vous allez me dire, de Barbe et de Simba, mais ils ne sont pas issus directement de la formation. Ces joueurs-là sont des joueurs qui ont été recrutés. Voilà. Donc, euh, ils ont été recrutés en 2022. Ils ne sont pas sortis de la formation et signés pro et intégrés le, le groupe professionnel. C'est sûr que quand on voit ce type de rémunération, on, on peut regarder la rémunération de Toulouse en Ligue 1. Bordeaux a des salaires équivalents à ceux du TFC, en tout cas dans le top 10. Euh, à Metz, le Havre ou encore euh, Metz, Le Havre ou encore Clermont. Voilà. Pourtant, Bordeaux est 13e de Ligue 2 aujourd'hui à 29 journées. Et c'est là aujourd'hui quand tu quand tu vois, quand tu fais le rapport entre les performances et la rémunération, parce que tu donnes une rémun la rémunération, ça doit être aussi le reflet de ta valeur, de, ta, euh, de ton potentiel, euh, de ce que tu peux apporter à l'équipe et au club. Wow, J'ai l'impression qu'on n'en a pas pour notre argent. Je ne sais pas vous, mais je dis nous hein, en tant que supporters. Hein, J'ai vraiment l'impression qu'on n'en a pas euh, pour notre argent. Alors, le... Alors je vois Thomas, peux-tu nous dire le salaire d'Admar Lopez Alors, je ne vais pas le, le dévoiler parce que je ne l'ai pas euh, forcément. Par contre, c'est vrai qu'il y a des bruits qui, qui courent sur son salaire. Euh, il faut... y a des bruits qui courent sur son salaire. Mais je ne l'ai pas. Mais je, 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 on peut. Présumé et il pourrait être dans le top 10, je pense. Voilà. Mais je ne sais pas. Voilà. C'est juste une supposition. Donc voilà, Donc, euh, on, on a l'impression que c'est vraiment un, un accident. Et quand on sait que le club est en difficulté financière, ben on comprend, c'est une des pistes pour comprendre. Euh, où, est, euh, où va l'argent, hein, parce qu'on se dit toujours il y a des déficits, des millions d'euros, il manque des millions d'euros, des millions d'euros, des millions d'euros. Et bien les millions d'euros, ils partent essentiellement dans les rémunérations des joueurs, Alors, il n'y a pas que ça, mais et de, du staff, et euh, de l'encadrement sportif, direction sportive, directeur sportif, et aussi la, la direction du club. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir un niveau de rémunération. On se souvient quand même qu'il y a eu euh, des licenciements au club. Beaucoup de licenciements, notamment dans, dans l'administratif. Il y a eu encore des départs en fin d'année dernière. Est-ce qu'il y en aura encore euh, avec ce maintien en Ligue 2 l'année prochaine C'est probable. Donc euh, donc voilà, on pourrait. Moi, je trouve que c'est C'est un peu. Euh, il y en a beaucoup qui disaient euh, oui, Gérard Lopez, il a fait all-in en, en comparant ça au poker et euh, il a tout misé sur la remontée. Ouais, mais c'est dangereux parce que tu, si tu ne remontes pas, tu fais comment pour payer les joueurs si le club ne peut plus subvenir aux, aux besoins des joueurs, alors certains me diront oui, mais c'est à l'actionnaire d'amener, euh, de combler les, les besoins, puisque c'est l'action. Alors, je, je rappelle que tous les salaires de ces joueurs-là, là, de tous ces joueurs, ce top 10, c'est euh, euh, Gérard Lopez comme président et Admar Lopez comme président qui ont donné ces salaires. Hein. Ce ne pas des salaires d'avant l'arrivée de Gérard Lopez. Ils sont tous là. Hein. Ce sont eux qui ont donné ces rémunérations-là à ces joueurs. Voilà. Euh, ce n'est pas une surprise, c'est leur, euh, leur gestion. Donc, c'est très dangereux. Et, et voilà, donc euh, c'est un petit accident industriel, c'est dans vous intérêt à avoir un actionnaire avec les reins solides hein, pour, combler, euh, pour combler les erreurs. Il n'y a pas Badji, il ne figure pas dedans, Badji, euh, mais euh, il, il est pas loin de, de ce top 10. Ils l'ont pas mis dedans, mais je crois qu'il est. Euh, alors, l'équipe l'a dit. Alors attendez, je vais me connecter sur, euh, sur le site des équipes parce que ça me fait penser à Badji, quand même, que Bordeaux a dépensé 3 millions d'euros pour recruter Badji. C'est pas mal, hein? C'est 10% du déficit qui est annoncé. C'est beaucoup, hein? Alors, je suis en train de me connecter pour avoir Badji. Il l'aborde dans l'article de l'équipe, le salaire de Badji. Alors, je ne vais pas afficher l'article de l'équipe parce que c'est un article payant. Mais le salaire d'Aliou Badji. Alors, Aliou Badji, qui est prêté à Gazantep, je le rappelle. Aliou Badji, euh, 60 000 euros brut par mois. <laughs> Donc, euh, top 4. Top 4 des salaires, Badji. Donc, tu calcules avec le nombre d'années de, de contrats restants. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir combien il reste de contrats à Badji. Badji Aliou. Après, ce qui sera intéressant, je vous dirai ce que j'en pense sur pourquoi il y a des salaires aussi élevés. Je vous le dirai. Alors, Badji, c'est 2026. Ce n'est pas compliqué. On va prendre une petite calculatrice. Hein. Donc j'imagine que c'est sans prix, hein, les 60 000 euros bruts. Donc c'est les infos de, de l'équipe. Donc on va faire 60 000. On va compter depuis le début de l'année 2024, puisqu'il a signé cette année. Donc 60 000, on va faire x12, x12 mois. Ça fait 720 000 euros l'année brute. Environ, c'est l'estimation. Si on multiplie ça par les par les, les années de contrat restants, il a fait 3 ans. Donc on fait x3. Ça fait 2 millions. 2 millions 160 000 euros. Euh, Brut. Voilà. Donc vous ajoutez ça aux 2 millions de Niatenko, vous ajoutez ça, euh, etc., etc. Ça fait boule de neige et, et ça fait une, une bulle salariale de joueurs euh, payés euh, à des salaires euh, qui sont incroyables. Voilà. Donc ça pose vraiment question sur, sur la gestion. Et pourquoi euh, les salaires sont élevés? Ben, il faut savoir que les salaires, c'est aussi la rémunération, euh, les montants des contrats, ce sont aussi la rémunération des, des agents qui gèrent les joueurs. Donc euh, voilà, ils prennent un pourcentage. Donc plus le salaire est élevé, en gros, hein, ça, plus le pourcentage est important pour, euh, pour, euh, pour l'agent du joueur. Voilà. Voilà, c'est. Et, et donc, on va encore euh, parler de difficultés à passer devant la DNCG au, au mois de juin. Mais bon, qui a donné 3 millions d'euros pour Aliobadji Qui a donné un salaire de 60 000 euros brut à Aliobadji Voilà. Donc ça, c'est. Personne n'a eu le... le pistolet sur la tempe pour leur faire signer des contrats comme ça, hein il ne me semble pas. Donc voilà, ça c'est le club. C'est la gestion du club. Et après, on peut mettre ça en rapport avec les performances sportives. Euh, voilà. Donc, euh... Donc voilà. Donc euh... on peut dire que c'est euh, un... un accident industriel, ce qui est en train de se passer à Bordeaux, notamment cette saison. On en a connu des nombreux. Notamment hein, l'époque GACP King Street et on a aujourd'hui l'époque actuelle. Voilà. Benoît Salette, Admar et Lopez est-il en CDI Je ne sais pas. J'ai posé la question au club, on ne m'a jamais répondu. Voilà. Allez. Donc c'est important. Allez euh, lire l'article sur Web Girondin et ensuite euh, il y a l'article plus complet. Euh, en ce qui concerne l'équipe, vous apprenez plein d'autres choses, le salaire de Guillon notamment, euh, et le fait que Bordeaux paye le salaire de David Guillon jusqu'à, comme son contrat était prévu, jusqu'à la fin de son contrat au mois de juin, en particulier. Voilà, allez, on, donc ça c'est le gros sujet, surtout que quand on met ça en, en rapport avec notre période, euh, notre période sportive catastrophique et la période financière qui ne s'annonce pas meilleure, mais, euh, on ne peut pas s'étonner que, que le club a si mal. Voilà. Si on était premier de Ligue 2 ou deuxième de Ligue 2 et qu'on était lancé vers la montée, euh, certainement que les discours ne seraient pas les mêmes. Même si on pourrait quand même remettre en cause certaines, certaines rémunérations. Mais bon, pour que... Est-ce que c'est juste comme rémunération Est-ce que c'est pas juste Est-ce que c'est équilibré Est-ce que c'est pas équilibré Ça, chacun sera capable de, de se faire son propre avis. Donc ça, c'était le, le gros sujet du jour. On continue et je pense à vous dire... Il faut que je pense à le faire, tout dire de liker la vidéo sur YouTube et de vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne YouTube, pardon, pas à cette vidéo. Allez, on continue avec le point euh, investisseur do dossier Kuchi Benabou. Euh, on va euh, bien sûr regarder ça ensemble. Euh, je me connecte sur. Il y a eu quelques informations qui sont parues hier, euh, notamment. Alors c'est en train de se connecter, mon ordinateur ralentit un peu, j'espère que je vais pouvoir arriver à l'afficher, voilà. Euh, notamment, on a eu deux déclarations intéressantes, je trouve, concernant le dossier Kouchi et Benabou, plus une parution dans Sud-Ouest que je vais euh, vous commenter avec des informations aussi plutôt, euh, plutôt instructives. Euh, la première déclaration, je suis en train de la rechercher, elle est Ici, je vais vous l'afficher, ça concerne euh, Bixente Lizarazu. Voilà, c'est en train de s'afficher. Qu'est-ce qu'il a dit Bixente Lizarazu, il était invité du euh, de la radio. Alors attendez, je viens de m'apercevoir que je ne suis pas en mode, en mode euh, abonné sur le site. Je vais me mettre en mode abonné sur WebGironda pour supprimer la publicité. On en est ensemble, ne hein, vous inquiétez pas, je suis toujours là pour que ce soit plus fluide en termes de navigation. Parce que quand vous êtes abonné à WebGironde, vous n'avez plus la publicité. Voilà, c'est parfait. On n'a plus la publicité sur le site. C'est un des avantages d'être abonné. Parmi les autres nombreux avantages. Alors, il a été interrogé, puisqu'il était Elisarazou, par France Bleu Gironde. C'était lundi soir ou mardi soir sur euh, le fait qu'il connaissait euh, sur euh, ses ententes ses liens avec Santiago Cucci et Michael Benabou, les deux porteurs du projet de rachat des Girondins de Bordeaux. Ils ont soumis une offre de rachat au, à Gérard Lopez pour acheter le club. Donc ça, on le sait tous maintenant. Et donc, on lui a demandé son lien et, et ce qu'il pensait du projet. Alors il est resté euh, assez vague, il a dit qu'il a fait comprendre que même s'il savait des choses, il ne les dira pas. Néanmoins, il a lâché une petite phrase, et ça, c'est à noter, parce que Big Senté euh, il prend soin de son image, c'est un commentateur de, de TF1, il est très présent dans les médias et il sait euh, utiliser les médias euh, depuis le temps qu'il qu les pratique. Hein. Je rappelle que quand il était joueur au Girondin de Bordeaux, il animait une émission euh, à la radio hein, sur 8FM, la radio des Girondins. Donc voici ce qu'il a déclaré Santiago Cucci est un copain, il habite au Pays basque, on fait du vélo ensemble. Voilà, je crois que les questions. Doivent être posés au président des Girondins de Bordeaux. Hein. C'est lui qui, surtout, doit parler et qui doit dire ce qu'il fait et ce qu'il a envie de faire et ce qu'il n'a pas envie de faire. Et il a conclu il a dit Vous êtes plutôt content du président, je crois de manière un, un peu ironique et un peu taquin. Donc, euh, ben voilà, il a dit ben, la question, ce n'est pas à moi qu'il faut le poser, c'est au, au président des Girondins de Bordeaux. L'air de dire euh, Moi, c'est comme ça que je comprends, ben, l'offre, elle est faite. Maintenant, c'est au. C'est au président des, des Girondins de dire s'il veut donner suite ou pas. Et donc, on a Sud-Ouest qui a sorti un article hier soir indiquant que pour l'instant, euh, les Girondins de Bordeaux et le propriétaire des Girondins de Bordeaux, Diogo Bonito, représenté par l'homme d'affaires Gérard Lopez, n'ont pas donné suite à l'offre euh, de euh, Kouchi Benabou, et donc que euh, ce, ce duo français accompagné d'un fonds d'investissement américain va se diriger vers un autre club. C'est ce qu'a dit Sud-Ouest. Maintenant, ils vont étudier la possibilité de reprendre un autre club puisque c'est à l'arrêt avec, euh, euh, avec Bordeaux. Il n'y a pas de négociation possible euh, puisque euh, Bordeaux n'a pas donné suite. Et ce qu'on apprend également, c'est que Gérard Lopez, dans le, dans le cadre... Euh, de l'ouverture du club au capital et à de nouveaux investisseurs pour apporter les fonds nécessaires à la... au train de vie du club. Hein. On a vu les chiffres juste avant des salaires. Le train de vie du club, c'est essentiellement, alors pas que ça, mais il y a la masse salariale. Donc, a décidé et, de se diriger toujours vers un prêt. Et euh, alors que l'équipe communiquait depuis des semaines que le prêt euh, souhaité était d'environ 50 millions d'euros, là, euh, Sud-Ouest écrit dans son édition, hein, dans un article publié hier, que euh, Gérard Lopez étudierait euh, la possibilité d'un prêt d'une trentaine de millions d'euros. Voilà. Donc, endetter le club, prêter trentaine de millions d'euros pour euh, certainement repartir pour la saison euh, qui arrive. Donc, euh, donc, voilà. Voilà ce qu'on qu connaît. Donc, c'est sur. Euh, sur ce euh, dossier du rachat du club. C'est à peu près les, les informations qu'on a. Euh, ça va être le feuilleton de l'été. Hein. Je vous l'annonce, ça sera le feuilleton. Hein. Et Sud-Ouest, dans son édition, euh, l'a aussi dit dans cet article. C'est Vincent Romain qui l'a écrit. Et il dit à la fin de l'article, bon, on est parti pour euh, un délai au moins jusqu'à fin avril avant que ça, ça bouge et peut-être même plus voilà je rappelle qu'il y a passage devant la dncg en juin qui validera les comptes il faudra qu'il soit à l'équilibre et qui validera aussi le, le prévisionnel pour, pour l'année à venir donc le feuilleton ne fait que commencer et je vais vous lire la petite, euh, la petite phrase de daniel riolo qui est euh, l'éditorialiste le plus célèbre du foot français euh, aimé, et détester euh, ça dépend euh, qui, qui tranche en tout cas tout le monde ne l'apprécie pas néanmoins c'est quelqu'un qui dont la voix porte et qui a parlé de ce dossier de rachat euh, lundi soir dans l'after foot et, et je le je vais citer ce qu'il a dit parce que c'est un, un c'est l'émission foot la plus importante en France, et c'est quelqu'un qui est toujours très bien informé. Il a dit, euh, je cite Daniel Riolo, j'avais parlé récemment d'un dossier de reprise qui était bien avancé. Le dossier était très avancé. Il est arrivé sur le bureau de Gérard Lopez qui a dit oui, sale beauté, c'était ok. Il veut bien vendre le club, mais il veut rester le patron. Il veut que les autres mettent l'oseille, mais lui, il veut rester. Il dit oui, prend le dossier et ne donne plus jamais de nouvelles. Donc les mecs ont dit, c'est bon, on arrête, on ne peut pas traiter avec ce gars-là. Il poursuit, Daniel Riolo, il dit « Le dossier est clair, les pièces existent, je l'ai vu. Euh, il y avait une vraie offre pour la vente du club. Gérard Lopez a dit oui et après il a disparu. Il n'y a plus eu de nouvelles. Ce dossier était plutôt séduisant avec un ancien joueur du club, Lizarazu. C'était intéressant avec des gens qui aimaient vraiment le club et qui, et qui ne l'aiment pas à 10 000 km de distance. » Là, il fait une petite pique à Gérard Lopez qui est, qui est souvent euh, aux États-Unis. Je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter euh, ce que dit… Euh, euh, Daniel Riolo. Daniel Riolo poursuit, j'aurais réouvre les guillemets, malheureusement, ça va capoter. Ça sent pas bon pour ce club, surtout avec le Luis Enrique de Wish comme entraîneur. Les conférences de Riera, c'est mythique. Point fermé les guillemets. Euh, donc voilà. Voilà le où on en est. Est-ce qu'il est vraiment clos, le dossier Kouchi Benabou Sud-Ouest a dit qu'ils allaient chercher vers un autre club. Voilà. Donc c'était deux personnalités françaises, donc une régionale, euh, soutenue par un, un ancien du club, euh, célébrité du club. Hein. Voilà. Tu lis super bien, me dit Donatien. Bravo. Alors je ne sais pas si c'est ironique ou si c'est vrai. J'essaie de m'appliquer à lire. C'est pas facile à lire comme ça, mais, mais j'essaie de m'appliquer à le faire. Je ne sais pas si tu es ironique, euh, Donatien. <laughs> ça pourrait être le cas. Donc voilà. Pour ce dossier Benabou, euh, ça fait 24 oui c'est ironique bon d'accord je vais m'appliquer alors sur la <laughs> sur la lecture merci pour ces infos nous dit James Mais merci à toi merci de suivre n'hésitez pas à, à liker à, à partager voilà je ne sais pas ce qu'on peut dire encore aujourd'hui euh, bordelaise on fait une émission spéciale sur les bordelaises à 18h30 et sur cette section féminine, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Hein. Il va y avoir pas mal de publications aussi cet après-midi sur webgirondin.com, sur le site. Donc n'hésitez pas à aller le, aller, aller le consulter, aller, aller le lire. Euh, voilà, je m'y suis connecté en mode abonné sans la publicité. Je lis une question de GG25. Nico, jusqu'à quand la mairie, les supporters, les vieilles gloires vont accepter cette situation je ne sais pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite pour manifester son mécontentement. Je ne sais pas. J'ai l'impression que certains disent que ça ressemble à une fin de règne, ce qu'on est en train d'assister au niveau de cette direction. Euh, D'autres qui pensent que Gérard Lopez peut trouver les, les moyens de de lever l'argent dont il a besoin pour continuer son aventure avec Bordeaux. Donc je ne sais pas, on, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui se bougent. La preuve, il y a un dossier de rachat qui est arrivé sur la table euh, du propriétaire des Girondins de Bordeaux. Il y a une ancienne gloire du club qui y participe. Euh, voilà, donc il euh, y, y a des choses qui se font. Jusqu'à quand ça va durer, je ne sais pas, mais je pense qu'on est au début d'un feuilleton qui va se prolonger euh, certainement jusqu'au milieu de l'été. Voilà. Allez, messieurs, euh, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vous donne rendez-vous ce soir. C'est encore en direct. Hein, ce soir, ça fait deux directs dans la journée. C'est avec Thibaut Desjardins de Scap Girondaine et euh, le journaliste Jérémy Brun qui sera avec nous, avec moi, pour parler de cette section féminine au menu. Patrice l'air euh, sa mise à pied, on, on, aura, on aura les commentaires. Euh, au menu, la vente de la section féminine euh, des Girondins de Bordeaux, puisque c'est le, le souhait du club. On rentrera dans le détail. Avant ça, mais il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, euh, si vous regardez le replay, une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dans la bordelaise à 18h30. À tout à l'heure et allez Bordeaux. Ciao. I used to stick around, definitely not for too long But boy, you got me that and made me wanna write this song Got old guys already scared, but I'm aware that you're special So let me take you somewhere, where we can be alone you will see a pretty picture. You're the sun on the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower. I'll teach you how to open up a nice baby. <laughs> 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 Why do we give it a go?